She got that wet wet, got that drip drip, got that super soak. I hit that, she a fifi, honey, kiki. She eat my dick like it's free free. I don't even know like why I did that. I don't even know like why I hit that. All I know is that. Et yo, petit slime, c'est GX. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Où est-ce qu'on va unbox des lunettes Klim? Donc il me semble que c'est ça, vraiment. Je sais pas, j'ai pas ouvert le colis. Du coup, on va procéder à l'unboxing. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je compte vraiment refaire beaucoup d'unboxing durant les vacances. Franchement, n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, nous, on va commencer à unbox le produit. Donc c'est un carton Amazon. Vous avez les deux vues caméra, donc ça c'est cool pour vous. Comme ça, moi, vous pouvez un peu voir tout ce que je fais. En tout cas voilà, on va l'ouvrir. Donc là je vais prendre la vue sur la cam, pardon. Désolé, j'étais pas devant mon micro. On va l'ouvrir tout simplement. Hop. Hop, hop. En fait c'est un carton bizarre celui-là. Parce que je sais, ok d'accord. Il y a une espèce de languette ici. Et du coup en fait on peut tirer pour l'ouvrir. C'est assez chiant par contre à l'ouvrir là, c'est bizarre. Il y a des fils et tout, c'est assez chelou. Hop, on l'ouvre, on a ouvert. Ok, donc des produits très bons packaging. Donc c'est un peu l'emballage, on va dire. Le packaging, c'est l'emballage pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, on peut voir que c'est vraiment bah, bien foutu. Clairement, c'est bien foutu. Ils m'ont envoyé deux versions de lunettes. Alors ça, j'ai pas expliqué, les amis. Ils m'ont envoyé deux versions, donc ça veut dire, attendez, je retire le tapis de souris. Ça fait un petit peu plus, uniforme. Voilà. Alors, on retire un petit peu ce qui on n'a pas besoin. On retire ça. On prend le couteau. Bref, on a deux boîtes ici. Une version avec un peu jaunie, une version un peu plus claire. Donc voilà, on va l'ouvrir. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, on peut pas l'ouvrir. Donc Klim Protect, voilà, Klim Protect. Et pareil sur l'autre, je pense réellement. Bah voilà, c'est presque le même. Donc on va voir, et puis on va voir la différence un petit peu. Mais en tout cas, le packaging, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais la lumière reflète un petit peu, pardon. Et bah, c'est assez nice quand même. On dirait vraiment des boîtes assez pro quand même. Et voilà, franchement, ils viennent à fond. Niveau packaging, à chaque fois, c'est bien, je trouve, chez Klim. Donc voilà, c'est pas pour non plus les mettre en valeur et tout, mais réellement, à chaque fois, c'est bien. C'est bien foutu à chaque fois. Et puis on va ouvrir, on va voir le contenu maintenant. Donc très important, le contenu. Hop. On a ouvert la boîte tranquillement. On ouvre la première boîte. Alors, petite enveloppe Klim. À chaque fois, une enveloppe Klim. Alors, pour ceux qui connaissent, les mecs, à chaque fois, il y a une enveloppe Klim. Donc voilà, Klim avec le logo brillant. On va l'ouvrir. Normalement, c'est la notice. Enfin, les petites notices et tout. Voilà, à base de langue et tout. Hop, donc, je vais vous montrer. Et voilà, il y a plein de langues. Et puis voilà, c'est assez cool. Alors là, les lunettes, déjà emballées dans un papier, ça c'est un point qu'il faut dire. Des petits autocollants, donc voilà, comme à chaque fois. Chez Klim, vraiment, c'est super nickel. À chaque fois, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, avec l'enveloppe ici, je commence à en avoir beaucoup quand même des autocollants. Faudrait que je vous montre un petit peu tout ce que j'ai, mais avec les produits qu'on m'envoie, bah franchement, beaucoup d'autocollants. On met la boîte de côté, on la referme. Donc encore, franchement, encore bien foutu. Je trouve qu'ils se démerdent pas mal avec le logo un petit peu qui réfléchissent et tout. Vraiment, c'est bien foutu. Ils essayent de mettre en valeur et tout. Enfin, franchement, c'est stylé. Et en plus, c'est réussi. Donc, on va sortir tout simplement les lunettes. Donc là, c'est lunettes jaunes pour pouvoir faire du gaming tranquillement. Donc là, je les mets. Et c'est vrai que ça jaunit là, vraiment. Je vois bien que ça jaunit. C'est de l'habitude. Il y a un pote qui les a et il m'a dit que c'est de l'habitude quand même. Mais une fois qu'on s'habitue, bah c'est parfait. C'est bénéfique sur le long terme, hein, bien sûr, pas sur deux secondes. Ah, aussi encore Klim avec le logo, enfin en mode 3D, enfin en relief, mais qui rentre en fait. Et du coup, bah c'est stylé. Les lunettes, comme ceci. Là, oui, on dirait que je les ai enlevées, que je vois flou, mais non, c'est bien la mise au point qui fait ça. Donc voilà, je pense qu'elles sont un peu connues quand même maintenant. Voilà, même si la mise au point se fait mal. Je vous montre un petit peu. Hop. À l'intérieur aussi, il y a le logo qui reflète les lunettes ici. Donc vous voyez que c'est jaune, là on les voit bien. Je pense que si on met ça, hop, on verra bien la différence de couleur qu'avec le bois, même on le voit un petit peu. Mais voilà, on voit bien. Logo aussi ici, franchement ça a dû coûter vraiment, enfin ça a dû être vraiment un bordel à organiser tout ce produit. Mais c'est réussi, franchement c'est réussi. Puis voilà, franchement assez clean, hein, vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. Donc la paire ici, et puis on va tester aussi la deuxième paire de lunettes qui est transparente il me semble. Donc pareil, on prend le couteau, on ouvre, hop, je sais pas si on voit, hop, et bah dans l'ensemble c'est parfait. Toujours enveloppe, et il y a la paire de lunettes, toujours dans un sachet, bien foutu franchement. Et voilà,
Donc ce sont des lunettes transparentes pour le coup. Et puis voilà, franchement. Après je sais plus quel avantage ils ont. Faut que je retrouve le message. Parce qu'en fait il m'avait dit des avantages. Mais moi à part des lunettes, je vois que des lunettes, tu vois. Mais sur le long terme c'est vraiment intéressant. Alors, donc voilà, ça protège des lumières bleues. Qui est responsable de nombreux problèmes de santé sur le long terme. Donc voilà, le lien est dans la description, bien sûr, il y a des codes promo et tout dans la description. Et oui, en fait, oui, lunettes qui font que 20 grammes. Donc en fait, ça fait que on la sent à peine, en fait. C'est vrai qu'elle est toute légère, la paire, j'avais pas remarqué, j'avais pas fait gaffe, parce que j'ai pas l'habitude de porter des lunettes. Mais oui, effectivement, c'est pas lourd du tout. Et une nouvelle génération vert 2018 pour transparent. Ok, donc ça, c'est les lunettes, très léger, bah pareil. Transparent, ça filtre 86% des lumières bleues, fabrication allemande. Qui protège aussi des UV. Ok, bah ok, franchement. Donc c'est sur le long terme, hein, réellement. C'est pas en un jour que vous allez voir ça. Donc c'est vraiment sur le long terme. Je veux pas non plus passer pour un escroc, mais c'est vraiment pour le long terme. Donc si vous mettez qu'une journée, bah je pense que ça change un peu rien. Je pense. À part si vous avez mal à la tête souvent quand vous jouez. Donc ouais, améliore votre sommeil. Donc ça peut être super cool dans le sens où est-ce que par exemple moi je m'endors assez tard. Vous voyez, je pense plein de joueurs e-sport le faire. Et c'est pas pour rien réellement. Donc on se retrouve en game, je vais tester un petit peu ce que ça fait de jouer avec la paire de lunettes qui est jaune, pour ceux qui connaissent pas. Donc je vais vous montrer, enfin je vais dire un petit peu mon point de vue, etc. Et je vais vous filmer aussi l'intérieur, comment ça fait par rapport avec et sans lunettes. Donc je vais vous montrer avec la vidéo tout simplement. Enfin mon appareil photo, du coup bah voilà, on va lancer Minecraft. Et puis on va se retrouver en rush. Donc là je suis actuellement avec les lunettes. Et bah les couleurs je les différencie bien quand même. Donc je vais faire une game qui à la fin de la game je vais faire un petit débriefing, je sais pas comment on dit. Bref, je vais dire mon point de vue, ce que j'en pense, etc. Et si je me suis habitué ou pas. En même pas une game quoi, genre je pense qu'on s'habitue vraiment vite. Parce que c'est vraiment comme par exemple un texture pack et tout. Enfin je sais pas comment dire, mais bref. On va lancer une petite game de 4v4. Après c'est vraiment pour ceux qui prennent vraiment soin de leurs yeux. Ceux qui ont de problèmes optiques, et bah je sais pas du tout si je m'y connais pas là, du tout vraiment en domaine optique. Parce que j'ai jamais eu de lunettes. Donc j'ai joué un petit peu avec les lunettes et on va voir un petit peu la différence. Mais voilà, comme ça je les ai bien unbox, je les ai bien montrés. Et je sais pas ce que vous en pensez si vous regardez un petit peu les unboxings sur ma chaîne avec Klim. Ce qu'ils font à chaque fois, genre c'est en mode ils prennent soin de montrer que c'est un bon produit en augmentant la valeur perçue grâce à l'emballage. Enfin je pense que c'est comme ça. Vraiment la valeur perçue augmente de ouf grâce à leur emballage. Voilà. On va taper un petit peu des gens. Et puis voilà, franchement, faites vous plaise. Ok bah parfait, alors ça parfait, ça c'est les lunettes. NON! Mais what? Ok parfait, ah je lag un petit peu, désolé, ça se voit un petit peu sur le record. Je lag un petit peu, c'est bizarre les FPS. Ok parfait. Donc voilà, 2 kills. Voilà, 3 kills, merde, j'ai failli l'avoir. Ok parfait. Oh le brain gros. Allez tiens. Meurs. Yes. Putain. C'est horrible ce putain de ciel, c'est n'importe quoi. Vraiment c'est horrible, je suis obligé de finir la vidéo comme ça. Avec un vieux sky de merde que tout le monde ici qui regarde la vidéo maintenant déteste. Ça tape pas, ça tape pas. Ça clique pas, ça clique pas. Mais what? Bon, dans l'ensemble, j'ai vraiment pas eu de problème avec les lunettes. En même temps, ce sont que des lunettes et sont optimisées pour ne pas avoir mal et tout. Bref, enfin, après, la couleur, faut s'habituer quand même. Mais sinon, bah, je vois pas trop d'inconvénients à les porter. T'as plus d'avantages que d'inconvénients. Je vais tester aussi pour voir si je m'endors mieux juste après. Ça, vraiment, ça peut être un effet, enfin, direct, on va dire. Genre, en une soirée, je peux tester et vraiment, bah, je vais tester. Et on va voir tout simplement parce que, ouais, ça pourrait être sympa. En tout cas, il y a un mode sur téléphone qui permet de faire ça sur tout son écran de téléphone, le faire jaunir un petit peu. Et ça réduit vraiment les risques de lumière bleue, on va dire. En tout cas, voilà les mecs, j'espère que ça vous a plu un petit peu. Que Genbox est un produit un petit peu pas commun, on va dire. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je répète encore une fois, on rôde les 100 000 abonnés. Et je vous aime. Merci d'avoir regardé la vidéo, gros bisous à vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 17h. Parce que je fais un daily upload, je tiens une vidéo par jour en ce moment. Du coup là, gros bisous à vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous fais de gros bisous.